Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Qu'est-ce que la réalité ? Elle désigne l'environnement tel qu'il nous est donné par l'expérience spontanée. Elle se manifeste au travers de diverses qualités sensibles qui nous permettent de la percevoir et par la résistance qu'elle oppose à nos actions. Notre réalité est donc construite par nos expériences. À cette définition, nous y comprenons que nous avons tous notre propre réalité. Pour la raconter, nous utilisons le récit, forme écrite ou orale, qui nous permet d'ordonner de manière arbitraire et spécifique les faits d'une histoire. Chacun a un récit différent sur la manière dont s'est déroulé, par exemple, son dernier repas de famille. Aussi, le récit prend racine dans une certaine réalité physique, et notre cerveau redessine les contours de manière subjective et sensorielle. Nos vies sont façonnées de multiples récits qui structurent nos comportements et notre individualité. Cependant, un socle commun de conditions prévaut sur nos récits intimes, celui de la société et de la culture dans lesquelles nous évoluons. Aussi, j'aimerais vous raconter un même récit avec deux angles de lecture et donc deux perceptions différentes. Le premier, c'est ici et maintenant. Dans un monde en décrépitude, où l'inaction est menaçante, où l'homme s'est tellement mis à l'écart de l'autre, préférant jouir de ses acquis matériels, qu'il a oublié que le pacte signé sous le nom de société devait être la charte sous laquelle il pouvait se regrouper avec d'autres, de manière juste et équitable pour prospérer. Il a également abusé par cupidité des biens de la nature. Blasé par un futur accablant, l'humain vit désormais dans la peur, l'angoisse et la dépression. Il ne sait plus d'où vient le danger, mais il sent sa pesanteur se déposer sur ses épaules. Chacun se raconte des récits pour mieux appréhender le lendemain, comme « tout ira bien, tout ira mieux ». L'homme a la capacité de créer, de se dépasser. La technologie humaine est salvatrice. Ou bien encore, je préfère stigmatiser une catégorie de population pour la désigner comme « bouc émissaire ». Ou encore, je me réfugie dans une réalité virtuelle à l'écart du récit de masse. Bref, j'essaie de consolider les récits susceptibles de m'apporter de la joie, même si elle est instantanée, ou j'essaie d'acquérir un minimum de sérénité et de forger des réponses pour essayer de camoufler l'inquiétude menaçante de ce monde devenu fou. Mais quelle est donc cette inquiétude cachée sous les multiples facettes de nos vies ? Peut-être le fait de ne plus pouvoir se cacher les yeux sur notre inaction. Même si l'expérience négative n'est pas encore vécue, le fait de la sentir près de la porte, très proche de nous, génère cette angoisse de l'inconnu et le besoin de s'en éloigner par des récits plus positifs. Nous déportons donc notre culpabilité sur des objets ou personnes extérieures à nous. C'est l'étape incontournable pour expier notre inaction et essayer de vivre en semi-conscience, et donc mal à l'aise dans ses chaussures. Nous nous sentons dépassés et inutiles pour apporter une quelconque réponse à ce besoin de changement. Cette angoisse et cette sensation de vide sont entièrement liées au récit global qui nous est raconté par les médias, nos gouvernements et la culture du capital. L'être humain, malgré ce qu'il montre à notre époque dans ses comportements, a un besoin primaire d'échanger constamment avec le vivant pour lui-même en faire partie. Sans ces connexions vitales, il se vide de substance et perd l'unique lien qui répond à la question de son existence. Aussi, laissez-moi vous raconter le second récit de la même histoire. L'homme a atteint un degré d'inconscience au point où sa moralité n'est plus. Ne souffrant point du malheur de l'autre, il détruit la planète, anéantit des peuples par simple avidité individuelle,
Voilà la déchéance humaine sous mes yeux. Plutôt que d'ignorer mon inaction, j'ai décidé cette fois-ci de ne plus assumer cette culpabilité pour mes enfants et mes petits-enfants. J'ai décidé de ne pas leur apprendre la peur du lendemain et de l'autre, mais bien au contraire, leur chanter la capacité de l'homme à se rassembler, coopérer pour se transcender. Ce récit que je raconte autour de moi représente le meilleur de l'homme, et également l'endroit où il peut siéger pour se sentir en sécurité, positif et enthousiaste. Les défis sont nombreux, angoissants et inédits à relever. Je pourrais m'effondrer comme dans le premier récit, ce que j'ai fait au début, me sentant dépourvu et seul. Pourtant, ma recherche de changement m'a amené à me rendre compte que j'étais loin d'être seul, et que je me reconnaissais dans un nouveau récit, celui de la transition. Mot un peu vague, trop utilisé et semblant être inatteignable, mais pourtant si riche en énergie et motivation, dépassant le récit bien ancré d'une croissance illimitée dans un monde fini. Comment l'homme a-t-il réussi à se convaincre de suivre un chemin qui va à l'encontre de plus élémentaires calculs mathématiques? Le samedi 28 septembre à Bourou avait lieu la deuxième rencontre de la transition citoyenne en Dordogne-Périgord. Cette journée a été l'occasion de créer un nouveau récit collectif. De manière très conviviale et positive, dans un cadre bucolique et agrémenté de bonne nourriture, les citoyens se sont réunis autour d'ateliers thématiques sur l'ensemble des solutions à apporter à ces temps de crise écologique, sociale et démocratique. Formation, éducation, mobilité, transition énergétique, alimentaire, semer la joie et tant d'autres sujets. Cela n'a pas été une journée de tout repos. La mobilisation de nos consciences sur des sujets bien précis nous a aussi demandé de la concentration. Et c'est bien là où résidait l'énergie positive de ce rassemblement. Comment apporter des réponses locales à des problèmes croissants liés aux causes de l'effondrement de nos sociétés? Quand vous découvrez ensemble l'étendue des idées qui émergent en collectif, vous êtes de nouveau surpris par la capacité humaine à formuler des solutions innovantes et issues d'une intelligence collective. À cette satisfaction s'ajoute la motivation de vouloir faire émerger des projets en adéquation avec nos connaissances des enjeux actuels et futurs. La journée s'est terminée par un concert entre détente et nouvel imaginaire. De 9h30 du matin à 18h, des citoyens ont donc imaginé un nouveau récit, pertinent et fédérateur, face à l'avenir considéré. C'est ici le point de départ du nouveau récit, celui de la nouvelle perception de notre place sur Terre en tant qu'être humain. C'est aussi restaurer la vérité sur nos contraintes d'évolution, de se retrouver tous ensemble, conscients et joyeux d'être si nombreux, nous a permis de travailler sur des actions à mener pour initier la transition. De nombreux acteurs locaux sont déjà existants. Plus nous aurons la faculté de nous regrouper, plus la conscience du nouveau récit à initier pour la sauvegarde de l'humanité sera entendue, et plus la transition s'effectuera de manière sereine. Car oui, la transition n'est pas un choix, mais bien quelque chose qui nous sera imposé. Il est donc impératif aujourd'hui de redéfinir nos récits, d'élever notre échelle de conscience à l'humain, avoir un bon boulot, bien rémunéré pour acheter sa maison, fonder sa famille et prospérer jusqu'à la retraite, est aujourd'hui illusoire dans un monde au bord de la banqueroute financière, écologique et sociale. Cette opposition flagrante entre le récit qui nous est raconté et la clairvoyance que nous commençons à avoir sur le futur crée cette dissonance cognitive insupportable. Si un brouillard épais réside sur votre vision du futur, il est peut-être temps de changer de récit et de choisir celui qui guide vers la coopération et la paix. On y trouve joie, énergie, réconfort et sécurité. Aussi autour de vous réside un microcosme d'associations ancrées dans ce nouveau récit. Franchissez le pas, passez à l'action, sortez de votre passivité stérile et pesante, cela vaut le coup d'essayer, et cela nous révèle à nous-mêmes avec toute la bienveillance nécessaire pour apporter un nouvel espoir à l'humanité. Le récit que nous nous racontons détermine donc notre comportement et nos humeurs quotidiennes. Le cerveau a une fâcheuse tendance à préférer la facilité et rester sur le schéma acquis, enregistré comme une routine comportementale qui au premier abord semble rassurée. La possibilité de s'ouvrir à un nouveau récit suscite donc un effort considérable pour briser les codes ancrés depuis des décennies
Il est donc très difficile par soi-même de modifier le récit existant. L'humanité s'est toujours construite autour d'histoires. Les religions, les différents types de politiques et aujourd'hui le pouvoir incontrôlable de l'argent, tout n'est que récit humain. Quel est donc ce bout de simple papier qui vaut 500 euros ? Le récit que nous lui accordons. Sortir d'un récit signifie donc commencer par faire un pas de côté pour découvrir une autre vision de la réalité. Elle se fait souvent progressivement à l'échelle d'une vie. Pourtant, aujourd'hui, l'urgence planétaire devrait nous appeler à accélérer notre volonté d'agir sur nous-mêmes pour modifier notre réalité. Un récent article du Monde sur la jeunesse qui s'insurge pour le climat avait pour titre « Qu'as-tu fait, papa, alors que tu savais ?» Tout est dit dans cette interrogation sur notre adhésion au premier récit, comme le filtre de réalité en société occidentale. L'urgence et l'évidence de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes et l'inaction dans laquelle nous sommes prostrés doivent aujourd'hui s'inspirer de nouveaux récits et de nouveaux modèles positifs. Cette chronique se veut être l'appel à tous ceux qui souffrent de l'incompréhension de notre monde et du destin qui lui est réservé. Elle se veut être également l'appel à construire ce nouveau récit résilient et heureux que nous souhaitons voir se réaliser. Alors renseignez-vous, créez du lien avec d'autres, sortez de votre torpeur ou de votre désintérêt. Il y a urgence à agir pour notre bien commun. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois ? Mais alors, tu vois le Green absolu. Green.